échanges entre l'ADC, l'agent de développement communal, et en partenariat avec l'île de Saint-Louis, donc sur un programme de sensibilisation sur les changements climatiques. Vous savez qu'il y a récemment au niveau de Marrakech le COP22 qui s'est réuni, et donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Et l'ADC, avec, en relation avec nous, qui est un partenaire stratégique au niveau de la commune, a initié des échanges au niveau des 23 quartiers. Et cet après-midi, les conseils de quartier de Léona HLM, de Diamogen et Okla Diaminar sont concernés au niveau de des dirigeants pour qu'on puisse échanger sur les risques et vulnérabilités sur les changements climatiques. Et vous avez vu que vraiment il y a des échanges fructifiants qui nous ont permis de voir, faire le diagnostic de ce qu'est les changements climatiques. Qu'est-ce que nous, en tant que population, en tant que leader, qu'est-ce qu'on peut apporter? Parce que vous savez qu'au niveau de Saint-Louis, quand même, présente beaucoup de risques au niveau des changements climatiques. Et d'où récemment, de l'avènement de l'ancien maire de Saint-Louis, il y a eu un forum qui a été organisé pour les changements climatiques. Et beaucoup de choses ont été dites. Maintenant, il faut faire le suivi de tout cela en relation avec les institutions municipales pour voir au niveau local qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler avec eux la main dans la main, sensibiliser nos populations pour qu'on puisse prendre en charge ces phénomènes de changement climatique. Parce que, comme vous le savez, au niveau de l'Afrique, au niveau du pourcentage sur l'effet de serre, regorge un pourcentage assez faible, mais sur les risques et vulnérabilités, l'Afrique est beaucoup plus exposée.